Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous réaliser une recette à base d'aiguillettes de poulet aux sauces caramel aux quatre épices avec des tagliatelles de riz, asperges et mange-tout. Pour la réalisation de ce plat, j'ai réalisé une marinade avec les aiguillettes de poulet qui comporte du nyokman, un peu de gingembre et du kombava. J'ai fait cuire quelques asperges, des mange-tout. Vous avez également de l'oignon nouveau, de la cassonade, qui est un sucre à base de canne, quatre épices, du gnocchman, sauce de soja et sauce à huître, ainsi que des pâtes à base de riz. Pour la réalisation de votre caramel, vous intégrez votre sucre en cassonade. Vous laissez fondre jusqu'à ce qu'il devienne liquide et ambré. À bien surveiller pour pas qu'il crame. Lorsque le caramel est terminé, vous y intégrez de la sauce de soja, également de la sauce d'huître et un bouillon de volaille. Lorsque vous laissez réduire jusqu'à avoir une petite sauce légèrement qui nappe votre cuillère. À votre sauce qui a légèrement réduit, vous rajoutez deux petites cuillères des quatre épices. Du poivre, vous laissez encore et vous commencez par la cuisson de votre poulet. Vous rajoutez à votre poulet un peu d'oignon blanc que vous laissez échauffer. Lorsque vos poulets sont cuits ainsi que des oignons légèrement sués, vous rajoutez votre sauce et vous laisserez mijoter. Vous débarrassez votre poulet, vous avez laissé réduire votre sauce, vous renappez le poulet de votre sauce caramel et vous enfournez, vous gardez au chaud. Puis vous commencez par faire légèrement sauter vos asperges. Vos pâtes de riz, vous les réchauffez légèrement un peu dans l'eau puisqu'elles ont été précuites en avance. Je vous présente l'assiette dressée. Vous avez les tagliatelles de riz, le poulet mariné à sa sauce caramel aux épices, quelques légumes, asperges, carottes et mange-tout. Je vous souhaite un très bon appétit et à la semaine prochaine au sein de la cuisine de mon restaurant.